De là où l'ambassade est du vent du sud ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous et bon mardi, un mardi qui commence sous le parapluie avec de la petite goutte. Une température extérieure hyper douce à 16-17 degrés, dans l'eau c'est 16 à 15, cet après-midi un temps couvert à pluvieux, température à 18. La marée est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 11h15 avec des coefficients de 87 et sur cette descendante, ben, le vent n'est pas très fort là, il est sud-sud-ouest, il est modéré. Il y a deux beaufort établis, à peine 3 sous les rafales, avec un plan d'eau clapeau par-ci, clapeau par-là. Des phases de vagues qui sont ridées à lisse ici et à là. Et on a une houle longue de 13 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest qui est sur un mouvement à la baisse puisque le pic est passé à 22h sur la Bouard, Cachan-Gascogne, à 5m10 et 12 secondes. Là, elle tourne dans les 4m et 12 secondes. Là, on voit les gros séries au large, il y a 2,80 à 3m. Déferlement régulier à la hauteur de 2m. Série qui rentre fréquemment à 2,50, grosse série au large là-bas qu'on vient de voir, 2,80 à 3 mètres. C'est agité, c'est tordu, il n'y a pas de surf et pas d'action, 0 sur 5, personne à l'eau, personne qui check. L'évolution pour le reste de la journée, un train de houle stationnaire à la mi-journée qui regrossit cet après-midi. Le vent est attendu se renforcer à la mi-journée et se calmer un peu cet après-midi. Mes prévisions à 9h, 3 mètres, houle ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent de sud-sud-ouest qui doit se lever 3,4, à 13h stationnaire 3 mètres. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, vent qui peut se lever ouest-sud-ouest, 4, 5, 6 beaufort à confirmator. Et à 17h, ça regrossit 3 mètres, 3,50 mètres. Houle ouest à ouest-nord-ouest, 13 secondes de période, en ouest-sud-ouest, 3,4, pas de surf et pas d'action. Seule option, mobilité sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine. La Cano, prochain point, tout à l'heure.